Allez, salut à tous, c'est Vran et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Fallout. Alors je vais vous résumer un peu la situation. La dernière fois on devait aider les groupes à partir. Donc pour ça on devait lui apporter à lui là du matériel. Donc je lui ai déjà... on devait lui apporter... attendez, je me rappelle plus. Le carburant de fusée, voilà. J'en ai trouvé. Vous avez trouvé les composants? Oui. 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 Ok. Ensuite. Ah, la clé, ça nous avons tout ce qu'il nous faut pour lancer les. Pas maintenant. Le moment du grand. Machin truc, ok. A plus tard. Oui, donc. Alors. J'ai. Donc, du coup, je suis allé. À. Quelque part. Par là. En gros, il y avait une ancienne station d'épuration et j'ai trouvé un... donc il y avait des geckos dorés et donc j'ai trouvé un mec, genre vous voyez, qui portait une tenue anti-radiation. Je vais vous montrer tout de suite aussi que ça, voilà, un truc comme ça. Ah, un mec détection au niveau du fusil. Et donc bah il avait de l'isotope, je sais plus trop quoi, et bah donc je lui ai pris. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Éclairez mon esprit et guidez mes paroles. Attendez, je vais vous montrer, voir son pays. Le tout-puissant créateur a jugé bon de répondre à nos prières. Le moment est venu d'embarquer à bord des fusées et d'entamer le grand voyage. S'il nous semble parfois que tous les humains nous méprisent, le Créateur a estimé qu'il était bon de nous détruire. Le discours, ça fait beaucoup. Le voyage aurait été là, vous pouvez encore l'entendre. Sans les efforts de deux amis humains. Ah, quand même. L'un parmi nous depuis longtemps, l'autre, nouvellement arrivé. Nous remercions cette dernière personne et lui promettons de ne jamais oublier son œuvre. Il y a intérêt quand même, ça m'a coûté une vie, plein de munitions et 500 capsules, avec des connards. Chris, c'est grâce à toi que le grand voyage a pu devenir réalité. Et quand même, sans blague. Toujours les remerciements aux autres. Bon allez, on court, on court, on court. Donc j'ai repris là mon fusil à vermine. C'est peut-être pas si puissant que ça, mais en fait, c'est déjà bien. Et donc... bah c'est puis aussi j'ai des repris tout simplement parce que c'est un des seuls où j'ai assez de mini. Voilà. N'empêche le mec il s'est bien motivé, c'est fou là. Le mec oui machin truc, Chris machin truc, ouais bah c'est. Sans moi vous aurez pas eu votre matos. Et voilà, vous l'aurez carotte hein, quand même. Arrêtez de penser qu'à vous, sans blague. Je crois. Je crois que c'est par là. Attendez, ouais, ça m'en a tout l'air. Oh, c'est trop beau. Je kiffe la vue. Non. Déjà on était tout en dessous tout là-bas. Genre on était trop loin d'ici en vrai. Oh purée. Toutes les galeries qu'il y a. Oh. Oh. Oh putain merde. Oh. Oh la fusée a fait se cracher. Oh putain. Et c'est bon, c'est fini, je peux m'enlever. Attache bon, bah. Voilà, ça va lui coûter. Franchement, que je pense à 5 excusez-moi, je n'arrive pas à parler. Donc qu'est-ce qu'on va améliorer? Le crochetage en dernier 5, les armes à feu 2, le discours de troc, de science et de médecine, et voilà. Ok, voilà. La musique a fait flipper quand même. Le bruit de la musique est bizarre. Hein. Je dois vous l'avouer. Que ce n'est pas le genre de musique que j'aime. En plus, moi, ce n'est pas non plus le style de musique que j'écoute. Voilà.
Parce que en gros, quand je joue, généralement, j'écoute un démix d'une heure de Hearthstyle, vous voyez le chant, je sais pas, ça m'aide à jouer, ça me motive. Voilà. Et le Swan, il faudra qu'on aille voir. Une cursée d'abandonné. Confrérie de l'acier. Je sais pas ce que c'est. Oh, abri 34. Prince Monde Caravan Company. Passage Nord. En fait, on a surtout exploré par là, quoi. Là, je pense que ça doit être vide. Bon, on va voir un Novak. Je vais voir si je vais pouvoir faire des trucs pour. Je sais pas, c'est pas sûr. Donc voilà, on a fini la mission avec les ghouls. Enfin, ça nous aura pris bien 2-3 épisodes. Plus en gros, si je veux faire simple, une heure sans tournage. Attendez, je vais lui remettre sa quête à l'autre là. One for my baby. Ok, bon. Bah, vous savez quoi? Comme Boone, je crois qu'il est là que la nuit. Bon, on va l'attendre. 7h. Ah, fail. 3. Bah. Oh, le fail. Ouais, je mets ça, ça devrait suffire. 12h, ça devrait suffire. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'on était encore le matin. J'ai confondu AM et PM. Excusez-moi, pas fait exprès. Bon, là, ça devrait être bon. Donc, attendez, je relis l'acte de vente. Acte de vente. Mais non, ça. Jenny May Crawford. Bah, c'est Jenny May Crawford, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, si on avait bien. Ouais, c'est bien elle. On était déjà allé la voir, je crois. Salut. Tout va bien? Oui, bah, D'accord. Ok, bon, toi déjà tu vas mourir pour ce que tu as fait. Mettre le béret de l'autre là. Hop. Elle est où? Eh, on l'a perdu ou quoi? Youhou. Elle est encore plus sa classe comme ça, mon perso. Non, elle est où? Oh, le fail, elle nous a pas suivi. Oh putain. Ah bah si, elle arrive. Lentement mais sûrement. Elle est vraiment moche en plus. Ah, regardez le reflet dans ses nets, ça fait. Ah, comme ça on dirait une personne du mal à un démon. Ah. Oh. Approche. Ah bah voilà. Oh, le bâtard, la one shot. Clé du coffre. Oh, fuck le reste. Faut retourner voir. Ok, d'accord. Je sais pas ce qu'il va nous donner. J'espère que ce sera les trucs bien. Enfin, y a intérêt. Qu'est-ce qu'il faut encore là, lui? Alors. Vraiment bien fait quand même les dinosaures, hein. Le gros dinosaure, j'aime bien moi. Alors. Oh putain, il va fermer sa gueule, Boone. C'est ça alors. Je vais trouver avec devant. J'imagine que je ne dois pas m'en étonner. Hop. Je vais.
Ouais, c'est bien. Oh bah fichons. C'est bon. Ah, c'est cool, maintenant il est avec nous. Ah, c'est cool, franchement, en plus. Hein, j'avais beau. Ah, tiens, en plus, un succès. Je crois que je ne l'avais pas encore, lui. Ah, mais c'est cool ça, hein, si on l'a déverrouillé. Si on a si on a réussi à prendre un compagnon. Bah, il est... Je crois qu'on peut lui donner du poids, non? Ça me va. Ah voilà, et alors il va pouvoir porter tout ce qui me ne... tout ce qui ne me sert pas. Ça. Attendez. Fusil. Oh, un fusil de chasse. Oh, je prends, c'est pour moi. Fusil calibre 12, robuste, ça c'est pour moi. Donc là, je lui donne, hein. Je lui donne vraiment tout ce qui me sert à rien. Grenade, il devrait pas s'en servir de toute façon. Enfin, j'espère. Le mec est trop flippé. La CW, de toute façon, c'est moi qui ai les munis. Le minigun, parce que ça prend du poids. Et il aura pas de muni. Encore un pistolet, ça. Ça aussi, parce que j'en ai pas besoin. Ah ouais, tout de suite ça va mieux. Et encore plus stylé avec la combinaison de la boue. Bon bah on va continuer nos quêtes, nous tranquillement. Sauver le captif, attendez, je regarde juste où c'est. On peut essayer. Allez, on va essayer la mission. Bah ça, on s'en doute que plus l'état d'une arme est mauvais, moins elle est efficace, hein, j'ai envie de vous dire. Si elle avait... J'y vais. What? Que fait la Légion ici, franchement? Attendez, on va prendre un... Ça ira beaucoup mieux, je pense. Oh, j'ai oublié de lui donner la tenue anti-radiation. Tiens. Tu es à moi. Non, je suis dans... Ah, les gens de César. Là, ce que je pensais, je ne peux pas l'avoir d'ici. Ça suffira. Ouais, il m'a fait flipper. Oh, le bruit, la détonation dans le... On s'en fout, c'est que César, j'ai envie de dire. Il est déjà mort dans la théorie. Ah, les bâtards, ils sont attaqués à la RNC. Oh, les bâtards. C'est bon, du coup. S'il n'y a plus personne, on peut aller observer, j'ai envie de dire. On risque rien maintenant. Je ne pense pas du moins. Oh, cartouche. On s'en fout maintenant. On a plus besoin du karma. C'est qui lui? Makaran n'aime pas voir de ce. Oui, bah, je suis. Parlez-moi des Rangers. La plupart des Rangers proviennent de l'armée de la RNC. Un soldat vraiment doux. Parlons d'autre chose. J'aurais mieux fait de ne rien dire et je... D'accord, pourquoi pas. Je crois que l'on l'a sauvé de la mort. Mais bon, après, hein, si vous mourir en ces deux, ça fout. Allez, on s'arrache d'ici, on n'a plus rien à faire. Je vais juste reprendre une vraie arme, attendez. Oh tiens. Bon, vous savez quoi, maintenant on va jouer au McDonald's. Right. Franchement, un jour faudra qu'on aille... Je crois que c'est dans les abris.
qu'on peut trouver des anciennes armes, enfin anciennes armes dans Fallout, mais des armes de notre époque là, de maintenant quoi, dans les abris. Et ouais, elles sont plus puissantes que celles qu'on peut trouver. Genre, il peut y avoir des fusils de sniper, des mitraillettes, des trucs comme ça, des lance-missiles aussi, je crois. Bon, hein. Libérer les prisonniers, à tous les coups, ça peut être que con. What? Vétéran légionnaire, lui aussi là, un con. Oh le bat. Votre armure est dangereusement abîmée. Quoi? C'est fini. Oh la loose. Bah attendez, bah faut que je me soigne en plus la lune. La moitié des glingués. Bah, j'ai presque plus de steam pas. Oh. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je veux. Que je veux boire du Sunset Set par exemple. Oh cool. Oui, donc je disais, à chaque fois que je veux boire du Sunset Set par là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne regarde pas l'indication William point de vie. Attendez, je vous montre tout ça. Au lieu de regarder ça, je regarde ça, donc je vois que ça diminue. Alors qu'en fait, bah, voilà quoi, c'est débile. Et voilà quoi, c'est moi, c'est normal venant de ma part, on va dire. Allez, j'espère que c'est tout prêt. Parce que je vais vous dire, marcher comme ça, ça me fait autant chier que vous de regarder comme ça un truc sans action. Trop risqué. Personne ne m'échappe. Préparation. What? Mais attends, je recharge. Oh boum. Ah, c'est moi qui l'ai. N. Oh. Philippe Andé. Oh purée, juste en tirant de plus, mec. Non, franchement. Oh, c'est fou ça, on va bientôt pouvoir en avoir un complet. Bouffe ça. Attends, il a peut-être chier. Genre, il y a encore 10 mecs. Ouais, je suis chier. C'est pas moi qui les tire, César. C'est mon coéquipier. Ouais, ça va être pareil. C'est... What, attendez, j'ai pas envie que... J'ai envie de vous dire, hein, moi j'ai pas plein. Carotte fraîche, hop. Pas bien, vétéran qui porte de façon. Hop, esquive. Trop loin à recharger ça, c'est dommage. Oh, c'est cool, ensuite on pourra leur piller toutes leurs ressources. Mais arrête de courir! Reviens là! Oh. Sans blague. Le mec il... Bon c'est bon. Point où on en est, je pense que là. Avec la défense César. Ah, faut purifier. Que de crocs. Ah, c'est mort. Oui, donc je disais que là au point où on en est avec la légion de César, ce n'est pas grave. C'est bon, je peux vous libérer maintenant. Je vais vous détacher. C'est bon, ils sont libérés. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis content qu'on s'en soit occupé. Y'a rien? Oh, j'hallucine. Oh, y'a rien? Oh, le truc est abusé, franchement. La quête, faut que. Du coup.
là, comme on a fini, bah, je crois du coup qu'on va se laisser là. Voilà, voilà, c'était Evron sur Fallout New Vegas. Allez, non, pas ça. Allez, au revoir, à bientôt, bye bye.